Bonjour les co-créateurs, une vidéo de suite de mon défi. Je crois que je suis au jour 28 de ma saison 7, donc la saison 7 qui porte sur l'ouverture du magasin. Voilà, vous savez, hier une journée importante quand même, fatigante du cerveau, parce que il y a mon ami qui est expert Feng Shui, que je vais vous présenter très, très prochainement, qui est sur le site du défi d'ailleurs. Claire, qui est son quoi, ce pseudo, ça doit être Chrysalis, son pseudo, je suppose, je sais plus, il faudrait que je vois, bref. Donc, qui est expert Feng Shui, puisque j'ai décidé de Feng Shuiiser totalement mon magasin. Donc, elle nous avait donné, avant de faire les travaux, elle nous avait donné une directive et tout, une carte, en disant ah là 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 là. Bref, voilà, donc elle est revenue hier pour vérifier, hein, inspecteur des travaux finis. Pour vérifier, j'ai dû taper, je pense, le micro. Pour vérifier ce qu'on avait fait, l'avancement des travaux. Donc, c'est vrai qu'elle n'avait pas vu depuis le début, en fait, depuis l'achat des locaux. Et elle a été vachement surprise. Ouais, elle a trouvé ça super joli. Donc, parce que là, on a fait la peinture, on a monté les meubles, quasiment tous les meubles. Là, je crois qu'on a tous les meubles. Je pense pas qu'on rachète des meubles. Là, maintenant, on est au niveau de la déco. J'ai plein de nouveaux produits, donc j'enregistre au fur et à mesure dans la boutique. Et une fois qu'ils sont enregistrés, ils passent dans le magasin, donc le magasin qui est devant, en fait, devant mon bureau, donc ça passe dans le magasin. Et après, donc là, petit à petit, il me reste encore quelques produits à mettre, hein, dont les tarots et les oracles. Ça, ils sont là. J'ai tout envie de garder pour moi. C'est dur. Donc petit à petit, là, on est à la phase décoration, les lumières pour mettre en valeur les différents produits. Voilà. Et pour que ça fasse pas en même temps mal aux yeux aux clients qui viennent, c'est important. Voilà. Donc voilà pour la partie magasin, design. Voilà. On voit la petite sorcière là, dans là. Là. Ah, ah. Oui, j'ai ma main devant, je suis con. Là, la petite sorcière là. Que j'ai acheté. Et oui. Si vous en voulez, si vous voulez la même ou une autre encore plus jolie, envoyez-moi un message. Je vous mettrai le nom de la personne qui l'a fait. Bref, je vais passer à autre chose, parce que je l'ai vu en fait. Donc, l'après-midi, j'ai eu rendez-vous avec l'expert comptable. Et avec... il y avait l'expert comptable et puis il y avait le chargé de mission qui s'occupe en fait des jeunes créateurs. Parce que c'est un cabinet, donc qui aussi s'occupe des jeunes créateurs pour un petit peu les aider à y voir un peu plus clair. Et j'en avais besoin. Au secours, mon Dieu! Voilà, donc on avait vu, donc j'avais décidé de faire une société, une SASU, tout ça, et ils m'ont dit « Quoi ?» J'ai dit « Bah quoi ?» Et en fait, ce que je ne savais pas, parce que personne ne le dit, hein, c'est tous les frais engagés pour faire ça. Bref, ça s'élevait à des sommes, que je n'ai pas. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, non, et tout, le mieux, ce serait une entreprise individuelle et tout, dans un premier temps. Pourquoi mettre tout de suite quelque chose de gros, au moins commencer petit, puis au fur et à mesure, s'il y a la besoin de passer en société, tout ça, bah, ce sera de toute façon possible. Donc voilà, donc je pense qu'on s'est décidé, je me suis décidée donc avec Emeric, puisqu'on prend les décisions quand même tous les deux, même si c'est mon entreprise, j'ai le nez bouché, excusez-moi, je parle d'idées. Donc on a quand même décidé de faire ça en entreprise individuelle, ce qui sera beaucoup plus léger en termes de gestion, et aussi en termes de coûts, parce que quand on m'a dit c'est 400 euros plus 400, après tous les ans c'est 2500 euros, je fais quoi? Allô? Voilà. Donc du coup, on va faire une entreprise individuelle dans un premier temps. Après, c'est vrai qu'il m'a expliqué certains trucs qu'on avait fait là au niveau du financement du magasin, qui n'était pas très judicieux en fait. Mais comme on dit, quand on ne sait pas, ben on se comporte des gens qui savent pas quoi, des salariés en quelque sorte ou par exemple on refuse de prendre un crédit ou des trucs comme ça parce que on se dit on a l'argent, à quoi ça sert de rembourser la banque alors que d'un point de vue entreprise c'est mieux de faire un crédit plutôt que de prendre l'argent qu'on a plutôt, et mieux vaut garder les économies en cas de coup dur. Voilà, donc ça je pense que ça va pouvoir s'arranger, on va pouvoir arranger ce choix là
Donc je suis plutôt contente pour essayer de garder un peu quelques économies pour l'hiver. Comme il disait l'expert comptable, pour l'hiver, quoi. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà où on en est. Donc je suis sortie un peu de là-dedans. J'étais dans un état un peu vidé, mais super heureuse. Comme il disait, oui, on vous a pas trop cassé le moral. Je dis non, pas du tout. Le moral est pas du tout cassé. C'est juste que j'ai enfin mes réponses et j'ai ce besoin et donc je sais que je vais faire appel à eux de toute façon pour m'aider au point de vue même au niveau comptabilité, mais au point de vue gestion en général parce que voilà, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même une créatrice, j'ai plein d'idées et tout ça, et je peux pas tout savoir, et surtout je peux pas me bloquer avec des trucs qui m'énervent et qui me font perdre du temps, je vais passer 15 jours par mois à faire la compta, quoi. Bref. Donc voilà, j'ai décidé, je vais faire appel à eux, j'attends leur devis, tout ça. Donc voilà. Voilà où on en est. La couveuse d'activité qui un peu change d'avis en fonction de la lune. Au début, j'étais allée la voir pour lui demander si on pouvait ouvrir le magasin en étant couveuse. Elle m'avait dit non, c'est pas possible, machin, des trop de trucs. Et là, lundi, je lui ai demandé, elle m'a dit bah oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé entre le moment où ? Je sais pas. Bref. Donc, on va voir peut-être pour ouvrir début mai. Mais en même temps, on se met pas la pression parce qu'il y a au niveau de la devanture où ça risque, c'est là où ça va poser problème, prendre du temps. Parce qu'il faut un mois, en fait, comme on est en plein centre-ville de Bagnères-de-Bigorre, la devanture doit être validée par les architectes de France. Et il leur faut au minimum un mois pour faire le truc. Donc là, c'est vrai que j'aimerais bien valider avec ma graphiste tout. Qu'on valide, on remplit le dossier et huit, c'est parti mon kiki, quoi. Voilà, on leur envoie, on leur dépose, et puis on est tranquille. Pour au moins avoir ce côté-là déjà de fait, une fois qu'on a les autorisations, on lance tout le travail, quoi, les impressions, la pose, tout ça. Oui, parce qu'on va faire une jolie devanture, quand même. Oui, voilà. Écoutez, voilà, je voulais vous remercier pour tous les beaux messages d'encouragement que j'ai eus suite à ma vidéo où j'annonçais, enfin, mon nouveau projet. Ça fait chaud au cœur de se sentir vraiment soutenue. Et c'est pour ça que, vraiment, cette saison, je vais vous partager tout d'un point de vue aussi technique, pro, comptable. Enfin, voilà, tous les trucs qui peuvent aussi vous aider. Voilà. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde et tout, parce que vous êtes vous aussi, vous voulez ouvrir un magasin ou un commerce, n'importe quoi, vous pouvez me demander. Puis comme ça, je pourrai aussi peut-être y répondre dans la prochaine vidéo. Voilà. Ok ? Je vous embrasse tous très 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 fort. Gros bisous et ciao !